Point d'autre
Jésus. Seigneur, est-ce que le cœur de quelqu'un va prononcer le nom de Jésus? Est-ce que la famille de quelqu'un veut prononcer le nom de Jésus ce soir? Ce soir, est-ce que tu peux voir les merveilles que Dieu est en train de faire ce soir? Est-ce que tu vois, oh, que le Seigneur t'a déjà tout livré ce soir et il te fait déborder, il te fait étendre ton cordage ce soir. Il te demande de dépasser ta difficulté, ce que tu nommais ta difficulté, parce que lui, Dieu, il est plus grand que ta difficulté. Alléluia. Hey, ba-ba-ba-ba-ba. Ba-b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 a-
Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais il veut qu'on prononce le nom de Jésus sur notre assemblée ce soir. Bien-aimé, prononce le nom de Jésus. Et c'est ce chant qui monte encore de nouveau à mon cœur. Il est des baba baba. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux lui dire Jésus, je t'aime ce soir? Jésus, je t'aime ce soir. Jésus, je t'aime encore ce soir. Et mon cœur ne veut que dire ton nom. Oh. Mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Il y a des fois où on vient, on prépare nos chants, on a envie de chanter de nouveaux chants, on a envie de chanter tout ce qu'on a prévu. Mais quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il décide autrement. C'est vrai que nous avons chanté ce chant tout à l'heure, mais le Seigneur me ramène encore sur ce chant, comme pour dire qu'il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore puisé tout ce que tu dois puiser dans ce nom. Ce soir, que ton cœur proclame, que ta vie proclame, que ta famille proclame, que tout ce qui est en toi proclame le nom de Jésus. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus. Ma vie dira, point d'autre
Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus. Alpha. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, le roi de l'homme se magnifie en ce lieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es comme toi, Seigneur. Mon Dieu, ton nom au-dessus de tout, au-dessus de tous les noms, nos genoux fléchis devant ton nom, et toute la bénédiction de Dieu est au-dessus de tous les genoux fléchis, Lord.
C'est vraiment le Seigneur qui veut et déblayer tout ce qui ne confesse pas son nom dans nos cœurs. Et c'est vraiment le vent du désert qui va souffler sur nous maintenant. Alors je demande à chacun de lever la main simplement. Il y a un vent de désert. Le vent du désert. Et je bénis le Seigneur. Et parce que depuis le début de ce carême, il m'a parlé que du vent du désert. Et ce soir, par cette louange, il y a un vent qui souffle sur nous. Père, nous saisissons cette onction présente. Et nous t'offrons nos cœurs. Débarrasse de nos cœurs tout ce qui ne te confesse pas. Débarrasse, Seigneur. Et tu t'appelles entre John et Jean, c'est la même chose. Et le Seigneur est en train de travailler comme par enchantement. Quelqu'un d'autre s'appelle Josiane. Et le Seigneur est en train de souffler dans ton cœur. Vous savez, parfois le Seigneur prend des noms comme ça et qui se ressemblent. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Amen. Amen. Le thème général de ce cheminement du mois de mars, c'est de la promesse à la plénitude en passant par le désert. On va répéter. De la promesse à la plénitude en passant par le désert. Et le Saint-Esprit veut aller loin avec les chrétiens. Le Saint-Esprit veut aller même très très loin avec nous. Et ce soir, le thème que nous allons aborder, c'est comprendre l'agir de Dieu. Et dans ces temps-ci, le Seigneur, à lui soit la gloire, ne cesse de parler à mon cœur sur la nécessité de la croissance spirituelle. Vous savez, dans les cinq prophéties de la création dont je parle souvent, la croissance, la multiplication est quelque chose de très important. Dieu a mis en nous une loi, la loi de la croissance. Et nous voyons comment les enfants grandissent. Nous voyons comment les plantes aussi grandissent. Et je prie mon Dieu que ce temps de carême soit pour nous un temps de croissance. Comprendre l'agir de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se posent des questions sur l'agir de Dieu. Une des paroles fortes du prophète Isaïe, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et pendant plusieurs semaines, nous avons vu le langage surnaturel. Dans cet enseignement, je vais être précis sur la pédagogie de Dieu. La pédagogie est une méthode, mais une méthodologie d'approche pour faire comprendre quelque chose.
Et je fais la différence aujourd'hui dans tout notre système éducatif entre l'instruction et l'éducation. L'instruction, c'est pour acquérir une connaissance. L'éducation, c'est pour apprendre à vivre. Bien sûr, à partir de cette connaissance aussi acquise. Et en Dieu, vous pouvez lire toute la Bible chaque jour sans la comprendre. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Vous pouvez être docteur en théologie, docteur en Bible, tout ce que vous voulez sans jamais connaître Dieu. Alors, à partir de l'exemple de quelqu'un et un personnage assez particulier de la Bible qui s'appelait au commencement Abraham, nous pouvons comprendre l'agir de Dieu. Et je vous le dis, frères et sœurs, même la vie éternelle, c'est une question de connaissance de Dieu. Ce n'est pas une question d'instruction intellectuelle. Vous savez, au temps de Pierre, il n'y avait pas de faculté de théologie. Oh, même s'il y avait Gamaliel qui était là. Mais comment Jésus a formé ses disciples? Il n'a pas dit prenez une feuille, écrivez. C'est par sa vie. C'est par l'imitation de la vie. Et dernièrement, un grand pasteur a lu simplement ce recueil important et dont on ignore. Vous savez, les grands livres de spiritualité dans l'Église n'ont pas été écrits forcément par des grands, grands saints, mais des personnes qui ont fait une expérience. Et l'imitation de Jésus-Christ est un de ces livres-là. Et voici que cet homme lit cela et il devient catholique. Il dit, ah, il y a une profondeur. Bien sûr, on peut rester protestant et lire ces choses. Mais pour dire simplement que Dieu travaille dans la vie de quelqu'un. Et c'est à partir de ce que Dieu fait que lui, il a une certaine compréhension de Dieu. Nous allons lire Genèse chapitre 15, 13 à 15. Genèse chapitre 15, verset 13. Yahvé dit à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham. Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. On va augmenter légèrement parce que ce sont des paroles assez fortes. Hein? Vous voyez, et là, on est en pleine alliance. We are into the covenant. Et le problème, c'est qu'en Dieu, and the problem is that in God, la croix et la gloire. The cross and the glory. La croix et la the gloire cross and the glory sont deux faces d'une même pièce. Are two faces of the same piece. Quand vous apprenez à connaître two le Seigneur, vous savez que la croix et la gloire sont deux faces d'une même pièce. Et donc, alors que le Seigneur est en train de bénir Abraham, et après il va changer son nom, il va s'appeler Abraham, mais Dieu lui annonce quelque chose. Continue. Ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Écoutez-moi bien. Voici que Dieu qui promet une terre merveilleuse à la descendante d'Abraham. Mais en même temps que Dieu promet, donne une promesse, il annonce quelque chose de terrible. Et il dit, ta descendante, elle sera étrangère dans un peuple. Elle souffrira pendant 400 ans. Et quand je regarde les Africains qui disent, ils ont été colonisés, le blanc les fait souffrir, je dis,
Dieu a dit pour Israël 400. Et vous allez voir que après, on ne sait pas pourquoi il y a eu un mystère qui a dépassé les 400 ans. Bon, enfin. Bon, c'est-à-dire Dieu l'avait dit que 400. Après 430, 450, ça c'est Israël lui-même qui a ajouté le boisseau, comme on dit. Continue. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle... On peut dire à Dieu, mais pourquoi tu promets à Abraham quelque chose de grand et de fort, mais en même temps, tu parles d'une souffrance. Et après la souffrance, il dit, je vais juger la nation qui a fait ça. Mais je jugerai aussi. Laissez-moi vous dire qu'aucune connaissance acquise ne peut dire dans ton cœur ce que Dieu est. C'est la connaissance intuitive. Je le dis parce que la théologie m'a beaucoup apporté. Et je conseille beaucoup aux gens de faire des formations théologiques, même laïques. Mais ce n'est pas la théologie qui m'a fait connaître Dieu. Mais ce Dieu que j'ai rencontré, je sais mieux l'exprimer par la théologie. Vous comprenez? Continue. Il va juger la nation, oui, vas-y. Ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Oh. Mais regardez, est-ce que vous comprenez quelque chose? Et je demande aux gens de lire la Bible aussi avec deux choses. Le pape Jean-Paul II et parle de la splendeur de la connaissance. Il parle de la raison et de la foi. Il faut aussi chercher à comprendre avec de la raison. Mais parce que quand vous lisez la Bible comme cela, parce que nous connaissons la conclusion. Oui, la conclusion de la Bible, c'est quoi? La conclusion de la Bible, c'est la résurrection de Jésus. C'est fini. C'est pas le livre d'Apocalypse. Hein? Le livre d'Apocalypse traduit simplement, et tout ce que vous lisez dans l'Apocalypse, c'est le mystère du salut, quoi. L'histoire du salut. Mais la conclusion, c'est la résurrection. Nous sommes dans la résurrection. Amen. Tout est déjà accompli. La conclusion, ça veut dire tout est fini. Et Jésus dira sur la croix que tout est accompli. Nous sommes dans l'accomplissement. Depuis plus de 2000 ans, nous sommes dans l'accomplissement. Nous sommes dans une seule année, l'année de grâce du Seigneur. Continue. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères. Tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. Je veux que tu ouvres vraiment ton entendement spirituel et pour comprendre ce que je vais enseigner ce soir. Et le problème, c'est que nous n'osons pas poser à Dieu certaines questions parce que nous avons une conscience religieuse. On dit, bon, c'est pas sérieux de poser ce genre de questions à Dieu. Mais moi, j'ai été mathématicien. Enfin, je veux dire que depuis la sixième jusqu'en terminale, je baignais dans les notes. Ma plus basse note, c'était 16 en mathématiques. Quand j'allais au bac, et j'ai fait un bac D, un bac scientifique, j'ai dit 15 en mathématiques, 15 en sciences nat et 15 en physique-chimie. Et je me souviens qu'à l'oral de l'anglais, et l'examinateur m'a demandé quelle note vous voulez, monsieur. Je lui ai dit, écrivez 8 en anglais. Il dit, c'est pas possible. Il a commencé à me faire des histoires, mais c'est pas possible, mais vous êtes inconscient, vous. Les autres demandent 16. J'ai dit, monsieur, j'ai besoin de 8, c'est ce que j'ai calculé moi. Bon, il m'a donné 10. Bon, je lui ai dit, bon, d'accord. Alors, quand je rencontre le Seigneur, je ne mets pas en parenthèse mon intelligence.
Je veux le connaître. D'ailleurs, un des traits très forts de la doctrine catholique, c'est que par notre connaissance, notre intelligence, nous avons quelques aperçus sur l'existence de Dieu. Nous n'avons pas la connaissance spirituelle, mais quand même en regardant les choses, on dit, il y a vraiment un être fort. Nous ne faisons pas comme, vous voyez, je vois encore des scientifiques chrétiens, enfin des baptisés, qui parlent de la nature est généreuse. C'est mon Dieu qui est généreux. C'est mon Dieu qui a tout fait. Alors je bénis tous ceux qui ont, et comme mes frères musulmans et mes frères juifs, dans les écoles coraniques, on apprend à l'enfant que c'est Dieu qui a créé le monde. Et chez les juifs, on leur dit, voici ce que Dieu a créé le monde, et voici ce que les gens disent. Que le monde a été créé par un Big Bang, choc des planètes. Et cette vision met le monde en guerre. Parce que si tu as été créé par une telle violence, et que par l'explosion, et il y a eu des toutes petites molécules ou quoi qui sont créées, en fait, c'est trop compliqué pour moi. Mon intelligence n'arrive pas. Et parfois, on confond dans la science les hypothèses avec les solutions. Et on arrose les personnes d'hypothèses. Et on dit c'est ça. Et je l'ai vu dans la théologie biblique aussi. Il y a un professeur qui a dit que avant qu'Israël n'entre à Canaan, les murs de Jéricho étaient déjà tombés il y a 500 ans. Il y a un autre qui a dit, toujours les biblistes, je ne suis pas contre eux. Il dit, non, avant que le peuple d'Israël n'arrive à la mer Rouge, il n'y avait pas de mer, et qu'il y avait la basse marée, quelque chose de trompe. Ce sont des hypothèses. Il y a du surnaturel en Dieu. Du surnaturel en Dieu. Vous voyez, donc finalement, la science nous fait épouser certaines hypothèses. Et mais ces hypothèses deviennent comme des solutions. Alors que l'hypothèse, et comme son nom le dit, doit être démontrée. Vous comprenez? Alors, il faut connaître Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il ne faut pas, ça va vous choquer. Même les grands disciples de Jésus croyaient au retour de Jésus dans peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, pas plus. Ah oui, ils parlaient de ça parce qu'ils avaient une connaissance intuitive, mais Dieu te donne ce que tu dois connaître. Mais qui peut connaître Dieu dans sa totalité ou dans sa globalité? Je regarde des théologiens qui croient qu'ils connaissent Dieu. Ils voient des jeunes qui prient, des jeunes femmes, des femmes illettrées qui prient. Ils disent, mais est-ce que toi tu connais Dieu? Moi je connais Dieu plus que toi. C'est faux, archi-faux. Je ne connais pas Dieu puisque la légionnaire qui est quelque part et qui ne comprend pas le français, qui n'a jamais fait la théologie et qui vit Dieu. Vous comprenez? Parce que pour comprendre Dieu, il y a l'agir de Dieu. Alors comment Dieu agit? La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Il y a un mystère, il y a un voile toujours. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a levé le voile concernant le chemin du salut. Nous savons désormais comment Dieu sauve. Il sauve par Jésus-Christ. Mais Paul le dit, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui n'a jamais entendu parler du Seigneur et qui vit dans la droiture de son cœur
Et il dit, selon moi, Paul, mon évangile, une telle personne peut être sauvée. Et l'Église ajoute, si elle est sauvée, elle est sauvée par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement le sauveur des chrétiens. Il est le sauveur du genre humain. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ta religion, et je bénis le Seigneur pour tant de juifs et de musulmans qui me suivent tous les lundis. Alors je vous salue. Jésus est le sauveur du genre humain. Et nous, nous croyons que les autres ne sont pas sauvés. Mais qui tu es? Paul dit, si ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui vivent selon la droiture de leur cœur, et là je lis Romains chapitre 2, il dit, ils seront sauvés selon moi, Paul, mon évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle que j'annonce, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Vous voyez ce Dieu merveilleux qui dit que les prostituées vont vous dépasser dans le royaume de Dieu. Alors ce révérend pasteur qui dit que nous, que le catholicisme c'est la salle d'entente de l'enfer. Alors, un jour, quand on m'a dit ça, j'ai eu le vertige. Non, je n'attaque pas. Moi, je suis catholique, je n'attaque pas. Mais quand j'ai eu le vertige, c'était normal. J'ai dit, est-ce qu'il a lu que les prostituées vont nous dépasser? Le salut est un don gratuit de Dieu. Le salut n'est pas en fonction de mes mérites, mais du mérite de Jésus sur la croix. Il a payé le quelques temps après ma conversion, et à Dieu soit la gloire, le Saint-Esprit se manifestait. Il y a un de mes frères qui s'appelle Stéphane. Il était assez bandit. Et je priais pour lui. Et Jésus est entré dans sa vie. Mais il allait dans une église protestante charismatique. Moi, je dis plus évangélique, baptiste, parce que l'église catholique est une église évangélique. Parce que appuyé sur l'évangile. L'église catholique est une église baptiste. C'est une église pentecôtiste. C'est une église de réveil. Amen. Vous voyez, parfois, quand vous dites ces choses-là comme ça, vous voulez dire que nous, catholiques, on n'apporte pas le réveil. Non, ce n'est pas vrai. Alors, je préfère dire protestant charismatique. Et donc, il est entré dans une église protestant charismatique, une des branches protestant charismatique. Et il m'a dit, vraiment, il faut venir Clément parce que on aura le baptême dans l'esprit. Nous, on disait souvent l'effusion du Saint-Esprit. Donc, je me disais, bon, ce serait un baptême. Bon, j'étais un peu embrouillé. 6 mois de renouveau, bon, je ne sais pas. Je lis la Bible, le baptême dans l'esprit. C'est vrai que Jean baptise d'eau, mais Jésus baptise dans l'esprit. J'arrive à Dieu sur la gloire et il commence. Et pour eux là-bas, le signe du baptême dans l'esprit, c'est que tu pries en langue. Alors, c'était un des diacres de leur église qui essayait, les gens priaient, mais ils ne parlaient pas en langue. Et il a dit par l'esprit, je crois que c'est par l'esprit, frère, est-ce que tu peux venir m'aider? À Dieu soit la gloire, je leur dis. Et on a chanté, Alléluia. Et tous ont commencé à prier en langue. Il me dit, frère, tu es de quelle église? Je dis, je suis de l'église catholique. Il dit, non, maintenant tu es de quelle église? Et là, je dis, je suis de l'église catholique. Il dit, non, je dis, maintenant, là, tu es de quelle église? Il dit, non, mais ne dis pas que tu es catholique. Romain. Il dit, oui, catholique, romain, apostolique, ma mère. Il m'a dit, non, on veut quelqu'un pour être pasteur principal parce qu'on veut fonder une église à Cocody.
Mais parce que toi, l'Église catholique ne peut pas accepter une telle onction sur ta vie, ce n'est pas possible. J'ai dit, ah. Elle dit, ah, mais donc, laissez-moi là-bas donc. Si vous croyez que les gens sont dans l'obscurité et que vous voyez la lumière à moi, laissez-moi là-bas. Et ils ont compris qu'ils étaient en erreur. Oui, pharisien. Je reviens sur l'agir de Dieu. Dieu, pourquoi Dieu n'a pas appelé Abraham à l'âge de 25 ans? Et comme il m'a appelé à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Comment Dieu peut laisser quelqu'un grandir, devenir jeune, adulte et vieillard? Et à 75 ans, Dieu demande à quelqu'un, quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Mais pourquoi Dieu dit ça? Parce que plus tu vieillis, tu es attaché à ta terre, tu es attaché à ta famille. Les vieux n'aiment pas l'aventure. Mais Dieu dit à un vieillard, va. Et Abraham va. C'est vrai, on voit le chapitre 12, chapitre 13 déjà. On voit Abraham qui est béni, même l'autre qui est à côté de lui. Quand vous marchez avec quelqu'un qui a une bénédiction, Dieu déverse sur vous. Hein. Et donc l'autre, son neveu, a commencé à prospérer matériellement. Et de sorte que les deux avaient tellement prospéré que... Et il a commencé à avoir des histoires. Alors Abraham appelle son neveu pour dire, tu vois, tu es mon fils, donc toi va prendre la terre là-bas. Au chapitre 14, Melchisedec jaillit. Il y a ce qu'on appelle l'activateur. Et il y a le principe de l'activation des bénédictions. Vous voyez, quand Marie reçoit vraiment ce message bouleversant, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais Dieu va utiliser Élisabeth pour confirmer. Une parole que tu entends ne suffit pas. D'ailleurs, moi, je rencontre des gens qui disent, le Seigneur m'appelle à une œuvre et puis il rit. Nous autres, on a pleuré. Moïse a pleuré. Jérémie a pleuré. Tous ont dit à Dieu. Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Parce que Dieu se sert de ce qui est faible. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es trop spirituel. Dans le rang des disciples de Jésus, il n'y avait pas de pharisiens, il n'y avait pas de grands prêtres. La logique, ce serait que Jésus vienne et qu'il aille au temple et il voit ce qu'il prie. Et par exemple, ce pharisien qui jeûnait deux fois par semaine, Jésus aurait dû prendre celui-là. Et en plus de ça, il dit, pratique l'aumône. Donc, Jésus avait toutes les raisons de chercher ses disciples dans le temple et autour du temple. Vous voyez la logique? Mais un jour, je dis à Jésus, mais je comprends pourquoi tu as trop de problèmes. C'est les gens bizarres que tu prends. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas pris un cardinal ou une chose pour un évêque, ceux qui ont les chapeaux là pour faire ce genre de choses? Bon, on se taquine de temps en temps. Je dis, tu prends toujours des gens bizarres. Et comme le dit les Ivoiriens, tu aimes affaire. Oui, frères et sœurs, l'agir de Dieu. C'est parce que tu te dis faible que Dieu va te choisir. Et tout ce que Dieu te demande de faire, humainement, tu ne peux pas le faire. Et donc, ce n'est pas une question de compétence. Tu ne vas pas dire, et voilà, bon, je suis assez préparé et maintenant, Dieu, on peut aller. C'est un vieillard de 75 ans. Mais pourquoi je vais saluer Abraham au ciel? Mais en
porte la parole de Dieu sur sa vie. Et l'alliance, il y a eu 24 ans. Qui attend une promesse depuis 24 ans? Bon, il n'y a pas longtemps, peut-être que tu es devenu chrétien. Et donc, il va attendre, mais le jour de l'alliance, Dieu va dire quelque chose. Dieu va dire quelque chose. Il dit, tu iras sur une terre promise. Tes enfants, ta descendance. Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas aller à Canaan sans le désert. Vous ne pouvez pas connaître la gloire sans la croix. Ce n'est pas possible. Et le frère Mathias Marie dit ceci, il a tellement raison. Il dit, Dieu a dit, où coule le lait et du miel? Bon, en général, les vaches, elles sont innocentes. Mais et les abeilles? Donc, pour avoir le miel, il faut résoudre le problème des abeilles. Dans chaque promesse de Dieu, il y a au milieu le désert et la servitude, la souffrance, la croix. Alors, ce n'est pas le démon qui a conduit le peuple en Égypte. Mais vous savez comment le peuple est entré en Égypte? Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Et je veux que les chrétiens grandissent. Vous voyez, vous serez dans ce peuple-là, mais ce n'est pas votre pays. Mais vous allez vous enrichir là-bas. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Cette capacité d'Israël. Vous voyez, la capacité d'Israël à se refaire, à se reconstruire, malgré l'Holocauste, malgré la violence, il y a eu Babylone, mais à se reconstruire, est-ce que ce n'est pas parti de l'Égypte? Laissez-moi vous dire, l'Égypte était la grande, grande civilisation. Et Dieu avait besoin que son peuple passe par cette civilisation pendant 400 années. Vous voyez, le plan de Dieu. Toi, tu regardes les épines. Mais Dieu regarde la rose. Pour avoir la rose, il faut régler le problème des épines. La rose est la fleur la plus romantique du monde. Mais pour prendre ça, il faut résoudre aussi le problème des épines. Est-ce que cette mentalité d'Israël aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas commencé en Égypte? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Dieu utilise quelqu'un qui s'appelle Joseph et qui sent tout de suite qu'il est béni. Vous savez, Joseph me rappelle beaucoup de gens qui viennent et qui parlent trop. Joseph parle trop. Ça, vraiment, il a un grand défaut. Il parle trop. Il dit à ses frères, voici ce que j'ai vu. Et hein, 11 fleurs, et puis une fleur au milieu. Et les autres fleurs se sont prosternées. Un autre jour, il dit, c'est 13 maintenant. Alors son père dit, tu veux que ta mère et moi, on se prosterne aussi. Il y a eu la jalousie. La jalousie. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu, qui promet une grande bénédiction à quelqu'un comme Joseph, est vendu par ses frères? Le problème que nous avons, je me mets dedans, nous les chrétiens, c'est de lire les signes des temps. Nous ne savons pas comment Dieu agit. Mais Dieu avait besoin, conformément à la prophétie, une prophétie, ça peut te faire du bien comme ça peut te blesser aussi. Une prophétie d'une souffrance pendant 400 ans, Dieu avait besoin de quelqu'un comme Joseph.
Alors Joseph est vendu, suivez bien, à un Égyptien, et qui là-bas va vendre encore Joseph à Potiphar, c'est-à-dire que un officier de l'armée de l'Égypte. Et là encore, oh pauvre Joseph, voici un nuit. La femme de son patron tombe amoureuse. Ça, c'est à lui. Joseph pouvait dire Dieu. Dieu. Ou bien, je vais profiter. Ah, si je profite d'elle, je serai un homme libre. Elle va tuer son mari. Parce qu'une femme qui tombe amoureuse d'un serviteur de la maison, ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle boy, elle est capable de tuer son mari pour le boy. Il avait là une occasion en or. Mais Joseph a dit non, je suis enfant de Dieu. Le problème c'est résister à la tentation. Et la tentation vient que quand tu as un besoin. C'est quand Jésus a eu faim que le démon est venu tenter Jésus. Mais là, Joseph résiste. Vous savez, il faut résister. Il faut que vous soyez de ceux qui vont dire au monde qu'on peut être chrétien. Il faut résister. Il faut résister à la corruption. Il faut résister. S'ils veulent, il ne faut pas te marier. Mais garde ta chasteté. Je l'ai dit que plus tu vis la chasteté, plus l'homme se profite, il précipite le mariage. Parce que ça ne l'arrange pas. Joseph a tenu. Il a tenu, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui tiennent devant les politiciens, devant l'argent, devant le sexe. Mais bon, il a tenu. Il a été jeté en prison parce que la femme a monté le coup. Elle a déchiré elle-même son vêtement. Il veut me violer, il veut me violer. Laissez-moi vous dire que c'était une condamnation à vie. Mais l'excellence du don qui était sur lui. L'excellence du don qui était sur lui. Le plus important, c'est tout. Si les gens n'ont qu'à te laisser. Mais Dieu est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ça veut dire qu'on s'en fout. Mais là, l'excellent du don va agir. Et voici que, d'interprétation de son interprétation, Joseph devient premier ministre. Et laissez-moi vous dire qu'à partir de Joseph, c'est-à-dire que Pharaon et son peuple sont devenus sauvagement riches. Et donc Israël, tout le peuple, les Hébreux sont venus en Égypte pour se nourrir. Il y avait une grande famine sur la terre. Dieu était en train de construire son peuple. Est-ce que tu sais comment Dieu est en train de te construire? Ce que le diable fait, il te dit, mais tu souffres trop. Mais Dieu est en train de te construire. Et Joseph devient premier ministre et ses frères viennent. Vous connaissez la suite. Parce que dans la prophétie, Dieu dit, le peuple sera prospère. C'est cette parole qui fait qu'Israël est prospère. Israël était prospère où? En Égypte. De sorte que quand Pharaon dit à Israël, bon, partez, partez, partez. Mais laissez là vos biens. Conformément à la parole de Dieu. Il dit non. Nous allons sortir avec nos biens pour servir Dieu avec nos biens. Mais Dieu construit. Dieu construit. Tu vas lire. Parce que j'étais ma fille Rita tout de suite. J'ai été interpellé par ce texte. 1 Pierre. Chapitre 1, à partir de verset 6. Dieu construit, mais tu gâtes la construction. Le problème, c'est que Dieu construit.
problem, Dieu construit sur du solide. Vous savez, Dieu construit ton histoire qui paraît une histoire douloureuse. Dieu te construit. Dis à ton voisin, Dieu te construit. Il ne te construit pas du sable. Vous savez, quand tu dis à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu construit à partir du solide. Il est en train de bâtir ta vie. Tu n'es pas maudit. Ne crois pas que tu es maudit. Il te construit. Vas-y. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves. Afin que bien éprouvé, votre foi, plus précieuse que l'or, ça veut dire que notre foi à nous, elle est plus précieuse que l'or, l'argent et le diamant. Continue. Donc, c'est que la chose la plus précieuse, ce n'est pas tes bijoux, ce ne sont pas tes biens, c'est ta foi. Continue. Votre foi plus précieuse que l'or périssable. L'or qui périssable, que l'on vérifie par le feu. Qu'on vérifie par le feu. Devienne un sujet de louange. Devienne un sujet de louange. Subject of praise. Un sujet de louange. Subject of praise. De gloire. Et de gloire. Et d'honneur. Et d'honneur. Lors de la révélation de Jésus-Christ. Lors de la révélation. Laisse Dieu te construire. Allow God to build you up. Je ne te demande pas d'être masochiste, non. I'm not asking you to be a masochist. Et comme j'enseigne, si tu peux éviter l'épreuve, il faut l'éviter. If you can avoid. Mais quand elle vient dans ta vie, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. But don't you think that? Jésus de Nazareth lui-même. Jesus himself, il a dit, éloigne de moi cette coupe de douleur. Et vous savez que Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, puisque c'est la prière de Jésus qui n'a jamais été écoutée par son Père. Mais il a dit, toutefois, selon ta volonté. Non, ne crois pas que le chemin est facile. Le jour de l'alliance, Dieu dit à Abraham, son ami, que ta descendance, il n'avait pas d'enfant encore. Et vous avez appris le langage surnaturel. Vous savez, quand Dieu nous parle, il s'en fout de nos capacités. Si Dieu dit que tu seras riche, ne dis pas, mais Seigneur, de quoi? Il s'en fout. Mon Dieu à moi s'en fout. My God doesn't care. Ce qui importe, c'est sa parole sur toi. What is important is his word. Et donc, vous comprenez que Dieu voulait que son peuple soit prospère. D'ailleurs, ils étaient tellement devenus prospères que les Égyptiens ont dit, ils vont prendre notre pays. They are going to take our nation. Vous savez, la xénophobie, c'est comme ça. Xenophobia, that's et how quand il y a une petite crise économique, when there's a small economic crisis, et qu'ils voyaient les Hébreux prospérer, les employés, being prosperous, ils travaillaient pour les Égyptiens, pour les Hébreux. Les Égyptiens étaient dans les entreprises des Hébreux. Ils ont dit, on doit les arracher tout ça. Et puis leur femme la accouche trop. Alors il faut tuer les mâles, les garçons. Vous voyez, alors Dieu va sauver quelqu'un des autres qui s'appelle Moïse. Il y a une logique en Dieu. Il y a une logique en Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, la première grâce qu'il va te donner, on l'appelle l'endurance. Écris endurance. L'endurance dans les épreuves. Il ne faut pas les épreuves vont te décourager. C'est pas parce que tu as commencé quelque chose que ça ne marche pas que tu vas laisser. Il ne faut pas faire comme les Ivoiriens.
On dit Eveya, tout le monde va Eveya. They said that thing. Maintenant, Eveya devient sans. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent encore. Je ne sais pas. Enfin. Maintenant, ils reviennent à café cacao. Bon, ok, continue. Tu dois aller par révélation. Amen. Le chemin de Dieu. Je peux vous dire, après plus de 32 ans, j'ai connu la souffrance dans la persécution et je la connaîtrai jusqu'à ma mort. Puisque Jésus dit, vous aurez des choses au centuple, mais vous aurez aussi la persécution. Je dis que Dieu est qui droit sur une ligne courbe. Quand Dieu veut faire quelque chose, vous voyez, quand Dieu te dit une belle parole, oh, tu vas accoucher. Oh, merci Seigneur. Thank you, God. Entre la promesse et son accomplissement, il y a le désert au milieu. Il n'y a pas autre moyen d'entrer à Canaan que par le désert. Il n'y a pas. Et tu vas passer. C'est là que Dieu. Vous voyez, regardez un peu Israël. 400 ans de souffrance. Quand on dit 400 ans là, ça dit, c'est pas, parce que c'est quand Joseph est mort que les gens commençaient à persécuter Israël. Moïse a fui. Le premier exilé politique de l'histoire de la Bible, c'est Moïse. Et lui, il a oublié. Et un jour, 40 ans après, Dieu dit, va faire sortir mon peuple. Ce que je veux te dire, ne cherche pas à souffrir pour souffrir. Mais ce que je veux te dire, en tant que ton frère, c'est que tu ne peux pas échapper à la croix. Si tu travailles avec le Seigneur, si tu suis le Seigneur, mais la croix deviendra le signe de ta victoire. C'est quand tu vois les nuages sombres, alors que les autres ont peur, tu dis, la bénédiction de Dieu arrive sur ma vie. Quand tout paraît sombre, quand tout paraît obscur, c'est là que Dieu est très proche de toi. Quand tout le monde t'abandonne, c'est là que tu vas dire, je sais en qui j'ai cru. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Parce que sinon, tu vas voler sa gloire. Et pour que tu saches que c'est Dieu, c'est que ce qui t'arrive, personne ne peut te donner ça. Personne ne peut faire. C'est là où tu sais que c'est Dieu. Sinon, parfois, c'est toi-même qui dis c'est Dieu. Hein. Bon, c'est une bénédiction. Mais ce que l'homme ne peut pas te donner, ce que dans ta position actuelle, tu ne peux pas avoir, c'est là, lui, il te donne. Mais qu'est-ce que le démon va faire? Il va te faire maudire Dieu dans cette position-là. Il va dire, Seigneur, avant tu faisais, maintenant tu ne fais plus. Or, c'est parce que la bénédiction n'est pas loin que le diable viendra t'embêter. Le désert a été difficile. Quand le lundi prochain, on voit les étapes du désert, c'était très éprouvant. Très éprouvant pour Israël. J'ai dit aux chrétiens, depuis le jour où Jésus a triomphé de la croix, nous sommes dans la victoire. Mais la victoire par la croix. Paul dit, je me glorifierai que de la croix de Jésus. Nous nous glorifions, nous chrétiens, de la croix de Jésus. La croix vide l'homme de sa fierté. Vous savez, on a même des a priori. Moi, j'ai prié un jour, après j'ai compris. Quelqu'un qui nous a conduits en Jésus-Christ, toute la famille, elle accouche. Je me souviens de ce jour-là. Elle sort de l'hôpital 3 jours après. 4e jour, je reviens du travail, je passe là-bas. Et elle me dit qu'elle a mal à la tête en tant que charismatique. Je prie avec assurance.
Oh, il n'y a pas de problème. Le même soir, on me dit, ah, elle est tombée, enfin, elle, on l'envoie à l'hôpital, elle est tombée dans le coma. On me dit, oh non, Dieu, le Dieu que je connais. Et puisque c'est elle qui nous envoie tous à Jésus-Christ. Et je me souviens encore dans le couloir de cet hôpital, avec Guy, Charlotte, on priait, et je conduisais la prière avec assurance. Oh Dieu, merci. 1er novembre, elle est morte. C'était en 90. J'avais un an et quart de vie dans l'esprit. J'ai dit, mais Seigneur, mais tu n'as pas mis ça dans mon cœur. Mais tu m'as laissé prier. Mais pourquoi? Dieu n'est même pas obligé de nous répondre. Vous pensez que Dieu nous répond à chaque fois? Dieu nous entraîne à l'endurance. Dieu nous entraîne, il nous entraîne. Vous voyez, les a priori que nous avons, même en religion, s'effritent devant la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un homme, dis à ton voisin. Même si c'est fait homme. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, tu vas lire. Même si nous l'avons connu comme ça, il est monté dans sa gloire, bien sûr, avec notre nature humaine. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Oui, parce que... 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ, même si nous avons connu le Christ, selon la chair, maintenant, ce n'est plus ainsi. Ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Et d'ailleurs, Jean, quand il va voir Jésus dans cette grande vision, Jésus est obligé de lui dire, parce qu'il l'a vu dans toute sa puissance, Jésus a obligé de dire, Jean, c'est moi. Amen. Parce que nous ne le connaissons plus comme ça. Il est certes monté avec notre nature humaine. Et maintenant, il peut être partout ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est puissant. Alors, toute la famille était ébranlée. Et les gens venaient tomber en transe. Ne croyez pas à ceux qui vous disent. Si vous êtes bon chrétien, je dis bien si vous êtes bon chrétien, ne croyez pas à ceux qui vont dire que c'est le diable qui vous empêche de vous marier, c'est le diable qui vous empêche de... Mais il faut leur dire arrière Satan. Ils cassent votre foi. Ça veut dire toute la prière que je fais chaque jour là, ça veut dire que ça ne vaut rien. Une personne vient me voir alors que je suivais la personne, elle dit, ah, on vient de me dire que c'est ma maman qui est sorcière. Je dis, bon, attends, Eva après, je dis à ma secrétaire, mais là, il peut faire entrer quelqu'un d'autre. En fait, c'est ma fille, je connais, donc... Fais entrer quelqu'un d'autre. Et puis après, je l'ai fait la dernière. Je dis, maintenant, parlons. Parce que j'ai dû l'évangéliser. Pour peut-être réévangélisation, j'ai réévangélisé. Mais comment tu peux aimer Jésus? Comment tu peux marcher dans sa gloire? Comment tu peux goûter, et comme le dit l'apôtre, enfin l'auteur aux Hébreux, tu peux expérimenter les biens du monde à venir, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et puis croire que c'est un franc-maçon, un rosé-christien qui t'empêche d'avancer. Tu n'as pas la révélation de ce que c'est que la souffrance. Tu dois avoir la révélation de ce que c'est que la souffrance. Je vous ai dit que c'est Dieu. Donc, finalement, Pharaon, il obéissait à qui? À la parole de Dieu. Pendant 400 ans, il obéit à qui? Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Rien n'arrive si le Seigneur ne le permet. Oui, j'ai connu un accident aux États-Unis. Mais je n'ai pas pensé au diable.
Parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose. Et quand quelque chose m'arrive, je lui dis, mais Seigneur, quelle leçon cette fois-ci? Mais je ne commence pas par dire, arrière Satan, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Vous connaissez mon enseignement. Si je parle du diable, c'est pour lui qu'il est vaincu. Si je m'adresse à lui, c'est pour lui, quitte au nom de Jésus-Christ. J'ai un souverain. Quelqu'un qui guide ma vie. Et nous avons vaincu le diable. Tu vas lire et on va finir par là. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Comment vous pouvez penser que les francs-maçons, les rosicriciens, les sorciers peuvent nous, ils peuvent te manipuler, ils peuvent t'agir. Bon, sauf si tu n'es pas en Jésus. Sauf si tu ne connais pas celui que moi je connais. Mais je vous dis, un jeune homme de 25 ans qui était dans les go et les boîtes de nuit. Je donne toute la gloire au Seigneur. J'ai vu que Dieu est fort. Ne crois pas que tu peux changer. Il ne faut pas croire que tu peux changer. Il ne faut pas croire que ta femme ne peut pas changer. Il ne faut pas croire que tes enfants ne peuvent pas changer. Je dis, il est le Dieu qui change l'homme. Et sa bénédiction, c'est sa bénédiction qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Si ce soir tu te dis, tu me conduis, j'ai un fils dernièrement et qu'on a rétrogradé, je vous le dis parce qu'il va témoigner bientôt. C'est-à-dire que vous êtes un poste vraiment bien et on a rétrogradé. Ceux qui l'ont formé, c'est ceux-là qui sont chefs aujourd'hui. Il est venu me voir en pleurant. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Ça fait mal. Ça fait mal parce que nous sommes des êtres humains. Ça fait mal. Et moi-même, ça me fait mal quand tu me dis ça. Mais tu ne connais pas Dieu. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Mets-toi devant le Seigneur et puis dis, guéris-moi, Seigneur. Et dis-toi que Dieu veut faire quelque chose. Parce que généralement, les chrétiens, ils vous disent, bon, mais c'est parce que je ne suis pas franc-maçon, c'est parce que je n'ai pas... Il faut laisser tout cela. Vous savez que ceux qui sont venus sauver Israël à Babylone, ce sont les Iraniens. Ils n'ont pas le Dieu d'Israël. Dieu est capable de se servir de n'importe qui pour venir te sauver. Oui. Alors, quand quelque chose t'arrive, ne crois pas que parce que tu ne sais pas prier. Ne crois pas que c'est parce que le diable... Enlevez le diable de votre tête. Pendant ce temps de carême, là. Laissez-le en paix, là-bas. Enfin, non, pas en paix. Laissez-le au feu. Voilà, bon, en paix. Cherchez Dieu. C'est ce qu'on appelle dans l'église le combat spirituel. Cherchez à rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire, même si quelqu'un t'a dit, ça peut être vrai ou faux, que c'est un sorcier. Mais si le sorcier est en train de faire quelque chose sur toi, c'est que tu n'es pas proche de Jésus. Parce que comment? La Bible dit que nous, et le Christ est en Dieu. Et nous sommes dans le Christ. Vous allez lire Colossiens chapitre 3, verset 3. Mais le Christ est en Dieu et nous sommes dans le Christ. Comment il va opérer le vent de Dieu, opérer le vent de Jésus et nous attraper comme ça? Non, je n'ai pas cette vision. Je ne sais pas où Dieu m'a fait passer pour que cette communauté soit ce qu'elle est. Mais à chaque fois, je disais, c'est ton chemin. Le vendredi, quand tu as fait le chemin de croix, c'est le chemin du chrétien. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un boulevard. La Bible dit que c'est pour le diable la perdition qui est un boulevard. Mais c'est un chemin étroit. Avec beaucoup d'obstacles. Et marche. Et tout en chantant le nom de Dieu comme Job. Il dit, si le Seigneur m'a rendu riche, mais pourquoi je dois maudire madame? Parce que sa femme lui disait de maudire Dieu de mourir. Madame, pourquoi je dois mourir? Pourquoi je dois maudire Dieu? Pourquoi je dois maudire Dieu et me suicider? Non. Si le Seigneur m'a béni, que j'ai eu des grands biens, je continuerai à bénir le Seigneur même si je n'ai rien.
Qu'est-ce qui est important? Que sait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Pharisseurs, beaucoup de prédications ont égaré les chrétiens. Beaucoup. Vous savez, on est un monde de hamburgers où tout est rapide, 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 rapide. Je vous dis qu'ils étaient en Égypte pendant 400 ans. 400 ans de souffrance. Mais la prophétie s'est réalisée. Ils étaient riches, ils ont appris. Ils ont appris l'endurance. Ils ont été formés, forgés. Je ne connais pas un peuple sur la terre qui a connu des obstacles plus qu'Israël. Dites aux Africains, ils sont des rêveurs. Ils sont des rêveurs. Hein? Les Blancs doivent nous dédommager. Hein? On doit nous faire ça. Ils sont des rêveurs. Et tant que tu attends quelque chose de ces gens-là, tu ne peux pas te développer. Tous les peuples ont connu ça. Tous les peuples. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas été colonisé dans le monde entier. Un jour, il y a une armée qui vient et même les Allemands ont pris la France. Ça a duré quand même un peu quand même. Alors, on se construit dans l'endurance. Par les épreuves que nous formons. Quelqu'un qui sort d'un coma, normalement, il ne doit plus être la même personne. Parce qu'il a vu de très très près la mort. La mort a pris un bisou. Quand on dit de prier, va prier maintenant. Lis. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Mais eux, l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole dont ils ont témoigné. Par la parole dont ils ont témoigné. Car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Oui, vous voyez, c'est... Je finis, j'atterris. Et c'est une invitation à suivre. Parce que vous allez lire, on va vous donner des textes à lire tout à l'heure. C'est un cheminement qu'on va faire. Dieu ne peut pas t'oublier. Il dit, même si ta mère t'oublie. Si tu oublies qu'il te rejette, moi je ne peux pas. Dieu a une mémoire plus puissante que tous les ordinateurs du monde. Depuis le matin quand tu t'es levé, son regard est sur toi. Ne crois pas que le Seigneur va t'oublier. Ce que je te dis simplement, mets-toi en face de lui. Et surtout quand tu as l'impression, tu ne vas jamais toujours comprendre. Je dis, j'ai 32 ans, mais chaque jour, il m'étonne. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. J'essaie de suivre le Saint-Esprit. Là, je suis allé dernièrement prier pour quelqu'un dans une clinique. Et quand je priais pour la personne, le Saint-Esprit met une image dans mon esprit. C'était une personne pour qui j'avais prié, qui avait eu le même mal. Et il y a peut-être 24 ans de cela. Mais quand je priais pour cette personne, Dieu m'a dit clairement, je l'ai guéri. Et le lendemain, on dit, la personne est morte. Je n'ai pas dit que j'ai convoqué Dieu. Mais il me dit non, je l'ai guéri. Je l'ai sauvé. Alors, j'ai eu tellement peur quand j'étais dans cette clinique-là. J'ai dit, mais Seigneur, cette fois-ci, je te demande pardon. Et guéris-le physiquement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Demeure le même, tu n'as pas changé. Et tel que le peuple d'Israël a compté sur toi, aujourd'hui encore nous comptons sur toi. Merci déjà pour ton action dans notre vie. Jésus-Christ, tu es l'unique, tu n'as pas changé. Tu es l'unique.
Seigneur, et avec nos offrandes, nous voulons te bénir. Médical Mère du Divin Amour, situé au sein de la Maison Mère Saint-François, vous accueille pour vos consultations en médecine générale, gynécologie, ORL, neurologie, pédiatrie, psychiatrie et pour vos examens d'échographie et EEG. Le centre procède à la mise en observation de patients du lundi au vendredi. Le centre dispose également en son sein d'une pharmacie et d'un laboratoire d'analyse. Heure d'ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, samedi 8h30 à midi. Contact 01 72 50 61
41 et le 07 89 49 03 40. Je répète, 01 72 50 61 41 et le 07 89 49 03 40. N'hésitez pas si vous avez de petits. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu ce soir? Alors, je suis là juste pour te donner le programme de ce temps de carême glorieux. Dis glorieux. Dis à ton voisin, ta voisine, tends l'oreille. Parce qu'au sorti de ce temps, tu vas connaître la pédagogie de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, comprendre l'agir de Dieu, papa l'a dit tout à l'heure. Lundi prochain, l'épreuve, valeur ou punition divine. Le lundi 15 mars, la marche dans le désert. Le lundi 22 mars, la victoire par la prière. Et l'apothéose, le lundi 29 mars, le thème indique ce que tu vas devenir, le passage du Jourdain à Cana. Donc tu vas passer du Jourdain et faire ton entrée à Cana. Est-ce que tu... La deuxième information concerne un grand temps d'évangélisation toujours durant ce carême, ce temps de carême. Deux mini-soirées d'évangélisation, les mercredis 17 mars et le jeudi 18 mars, de 18h à 21h, pour que déjà tu te prépares à venir vivre ce temps. Et le thème, c'est le vent du désert. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu seras nourri durant tout ce temps de carême? Amen. Alléluia. Nous notons quelques informations en plus. La sécurisation prophétique, acte 2. Uniquement en ligne. Alléluia. Le thème passé le Jourdain, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est du vendredi 5 au dimanche 7 mars. Le tarif, c'est de 15 000 francs et 25 euros. Uniquement en ligne. Alléluia. Session, je vais aller plus haut avec toi, Seigneur. Jésus gravit la montagne pour prier. Le mardi 9 mars, au samedi 13 mars. Participation en présentiel, c'est 25 000 francs par personne. Et en ligne, 25 000 francs par personne. Spécial synagogue, spécial séminaire, la synagogue, la greffe nécessaire. L'expérience de l'esprit de la synagogue dans la perspective de l'économie du royaume. Jésus entra dans la synagogue, Luc 16, 19. Date, samedi 17 au dimanche 18. Participation en présentiel, 20 000 francs. En ligne, 10 000 francs, 16 euros et 20 dollars américains. Alléluia. Acclame Dieu. Une information qui concerne les puces Orange. Nous avons un frère, le frère Gustave, vous attend sous la bâche. Alléluia.
alors à la fin de la prière, vous vous rendez là-bas pour prendre les puces, 500 francs la puce. Pour ceux qui ont déjà même les puces oranges, c'est pour la flotte. Donc, vous venez, on écrit votre nom simplement. Je veux dire que tout ce qui est en ligne, c'est 18h30. Donc, 18h30 à 21h. Ça veut dire que je reprends la sécurisation prophétique. Il y a une possibilité de faire en présentiel. Micro. Yes. Speak. You have the possibility to follow the seminar. Jésus. Ok, c'est bon. Amen. Donc, ça commence le vendredi à 18h30. We start on Friday, 6:30. Vous venez, vous partez à 21h, vous revenez. Voilà. You maintenant, je ne sais pas le tarif en présentiel, je ne sais pas c'est combien. Mais le plus important, c'est d'être là. Il s'agit de voir quelque chose de très fort. Il s'agit de voir ce que Jésus a fait et ce que Jésus nous permet de faire. Comment sécuriser les prophéties, comment sécuriser son environnement, comment sécuriser par Jésus-Christ. Mais c'est acte 2. On va aller très, 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 très loin. Et donc, retenez que c'est toujours, parce que je permets à certaines personnes, voilà. Mais il faut vous inscrire rapidement, je ne sais pas c'est combien. À la fin, il va vous dire. Amen, on va se tenir debout. Let us stand up. Vous voyez, dis à ton voisin, Dieu t'aime. Tell your neighbor, God loves you. Oui. Je ne veux pas que tu rêves. I don't want you to dream. La vie n'est pas facile. Quand il fait chaud, on transpire. When it's hot, we transpire. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est allé jusqu'au bout de la souffrance. Has been to the end of il aima les siens, il les aima jusqu'au bout. He loved his friends and he loved them. Où Jésus est arrivé dans la souffrance, aucun être humain ne peut arriver. Where Jesus reached the suffering, no one can do that. Mais il a dit, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront en bois sec. Je ne prêche pas un évangile sans la croix de Jésus. Au cœur de cette bonne nouvelle, inside that good news, elle passe, la bonne nouvelle passe par la croix de Jésus. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Mais en suivant Jésus, nous passons par la croix. Mais Jésus a vidé la croix. Jésus a vidé la mort. Mort, où est donc ta victoire? Jésus a enlevé le poison qui était dans la mort. Même la mort pour le chrétien est un gain. Paul dit, vive moi sur le Christ. Mais mourir est un gain. Si Jésus a dépouillé la mort, qui était le pire ennemi du genre humain, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, il t'a donné la victoire. Alors tu vas adorer ton Dieu. So you're going to adore your God. En regardant ta vie autrement. By looking at your life, en regardant way, les épreuves autrement. By looking at trials, les way, épreuves que tu traverses. The trials you're going through, c'est ce qui se dresse sur la roue de Canaan. Is what is on the way to Canaan. Mais je dis que tu vas traverser le Jourdain. I tell you going to cross the Jordan. Ne regarde pas les épreuves. Don't look at the trials. Mais regarde Dieu. But look at God. Regarde Dieu. Look at God. Et ce soir, nous allons adorer Dieu. Are we going to worship God tonight? Et la mort, gloire et
Merci Seigneur. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur mène à mon esprit maintenant? What does the Lord put in my spirit now? Il me manque plus de 60 personnes. It shows me more than 60 people. Et je vois des personnes qui sont ici. I see people here. Et sûrement qui touchent ceux qui nous suivent en ligne ou par Divine Amour TV. TV. Mais Divine Dieu, TV. Pas que Dieu se justifie, non. God is not justifying himself. Mon Dieu ne se justifie pas. God never justifies himself. Mais mon Dieu donne le sens profond des choses. And it gives the true meaning of things. Ces personnes ont connu trop de difficultés. Went through many difficulties. Et ce que le Seigneur est en train de vous dire, you, c'était le passage nécessaire. Et le Saint-Esprit dit à ces personnes, people, si tu as connu ces choses, tu feras tout pour que personne ne connaisse ces choses-là. So that no one knows this. Alors, ce que le Saint-Esprit fait, il est en train de descendre sur ces personnes-là. Si Dieu donne une telle parole, if God gives such a word, ça veut dire qu'il va te mettre dans une position going to put you in a pour aider ceux qui souffrent. To help those who are suffering. Ceux qui souffrent d'humiliation. Those who suffer from humiliation. Ceux qui souffrent de tellement de difficultés. Those who go through so many trials. Alors le Saint-Esprit est sur ces personnes-là. So the Holy Spirit is upon these people. La gloire est sur vous. The glory is upon you. Et je vais prier pour ces personnes. And I want to pray for these people. Et je demande à l'intercession de se mettre en position. I want the intercession to position themselves. Le Seigneur t'a jamais abandonné. God has never forsaken you. Et je dis que Dieu va faire des choses. And I say God is going to do something. Faut plus en vouloir à quelqu'un. Don't be resentful against someone. Ne dis pas c'est par la faute de telle personne. Don't say it was a fault of such. Mais a dis Dieu voulait m'enseigner quelque chose. And tell yourself, God wants to teach. Et Dieu voulait que je sache que les gens souffrent. God wanted me to know that people suffer. Et la puissance est sur ces personnes. And the power is upon you. C'est la gloire qui est sur vous. It's the glory that is upon you. La gloire est sur vous. The glory is upon you. Oh, ce que Dieu fera de vous, what God is going to do with you, ne serait que le chemin the way que vous avez emprunté, that you took, c'est pour que vous soyez comme des paraclés pour les autres. God wanted you to be like, protectors que for others. Vous puissiez aider. Que vous puissiez aider. That you'll be able to help other people. Si la mer se déchaîne. Oh mon Dieu. Si le vent souffle fort. Si la barque s'entraîne. N'aie pas peur. Sois pas dans le doute. Dieu est le ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu est le ses enfants.
Ce n'est pas un échec. It's not a failure. Jésus n'a pas échoué sur la croix. Jesus didn't fail on the cross. Mon sauveur a pleuré sur la croix. My Savior cried on the cross. Il a saigné sur la croix. He bled on the cross. Ce que tu vis n'est pas un échec. What you live in is not a failure. Ce que tu as vécu n'est pas un échec. What you went through is not a failure. Ça t'a transpercé le cœur comme le cœur de Marie qui était transpercé. The heart of Mary has been broken. Mais son fils bien-aimé est ressuscité. His son has resurrected. Dieu se sert de tout. God uses everything. Et tout concourt à notre bien. For your good. Regarde Dieu ce soir. Look at God tonight. Celui qui essuie les larmes, the one who wipes away tears, il donne le sens réel de la souffrance humaine. It gives the meaning of human suffering. La souffrance n'aura jamais raison sur nous. The suffering will never overcome you. Parce que le Christ a connu la souffrance. Christ went through suffering. Afin de nous donner la vie de Dieu. In order to give us the life of God. La vie Zoé. The life Zoé. La vie Zoé. The life Zoé. La vie Zoé. The life Zoé. Père si grand, so great, Father, ses frères et ses sœurs sisters, traversent ou ont traversé des choses terribles. Et il y a d'autres qui pensent qu'ils sont maudits. Il y a certains qui disent, Seigneur, pourquoi ces épreuves? Some say, Lord, why these trials? Mais toi seul, Seigneur, only you, God, tu sais pourquoi. You know why. Aucune preuve n'est au-dessus de notre foi. Et c'est pourquoi, Père, donne-leur la révélation de ce qu'ils ont traversé. Et que cela concourt à leur bonheur. Voyez ce que l'onction du Saint-Esprit va faire. Ce que je vois, c'est... Il y a une personne, il y a un ange qui est comme en genoux devant toi. Bowing before someone. Je ne sais pas, j'ai l'impression que pour te demander pardon, de comprendre. I have the impression that is asking you, begging you to understand. Et parce que ton amour pour Dieu est tellement because grand your love for God is so great, que tu n'as pas bien compris that ce qui s'est passé. You haven't understood very well what happened. Père si grand. So great, Father. Sauve ta puissance. Blow your power. Vous recevez la puissance de Dieu. You're receiving the power of God. Donne-leur l'intelligence de l'esprit. Give them the intelligence of the spirit. Donne-leur l'intelligence de l'esprit. Give them the intelligence of the spirit. Dieu dit. God says, tu n'es pas malheureuse. You are not miserable. Dieu dit. God says, que tu es une personne bénie. You are a blessed person. Pour que Dieu envoie un ange vers toi, God is sending an angel to you, et pour se mettre en genoux devant toi, to kneel before you, c'est une image assez forte. It's a quite strong image. C'est pas comme Dieu se justifie, non. It's not like God is justifying himself, mais no. Dieu t'aime tellement. But he loves you so much. Et je peux te dire, and I can tell you, que la compréhension que tu es en train d'avoir de cet événement que tu as vécu va te donner une victoire sur toutes choses. L'ennemi, il y a quatre personnes, l'ennemi est en train de fuir. Il t'a mis comme dans un cauchemar éternel. It puts you in an eternal nightmare. Tu penses plus aux échecs dans ta vie you think more about failures que à tout ce que Dieu fait pour toi. About all things God does. Mais il y a quatre personnes four people, ici devant moi here in front of
L'ennemi est en train de jouer un rôle d'aveuglement spirituel parce que tu aimes Jésus. Mais l'ennemi a fui. Il a quitté ton intelligence. Une autre vie est possible. Le bonheur est possible. Quand on a la compréhension des choses, Dieu va t'utiliser pour aller au secours de tous ceux qui souffrent. Les foyers en difficulté. Families, les personnes qui ont perdu un être cher. People who lost a beloved Dieu people. Te prépare à quelque chose. You, bring you to something. Et tout ce que tu as connu comme souffrance. And all the trials you la Bible parle de Jésus en disant homme habitué à la souffrance. The Bible talks about Jesus, man, il a connu la souffrance. He knew the suffering. Pour venir à notre secours. In order to come to our rescue. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. And that's what's going to happen in your life. Ce que tu as vécu. What you left fais en sorte que personne ne puisse vivre cela. Mais j'ai dit, tu es une âme précieuse you devant Dieu. A precious soul in front of God. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Laissez-les, ne les touchez pas, ne les touchez pas pour le moment. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Aidez maintenant. Vous pouvez aider maintenant. Vous pouvez aider maintenant. La puissance de Dieu. Aidez, aidez maintenant. Je dis aidez. Je n'ai pas de les amour ici. Je dis aidez. Vous êtes fort et forte dans le Saint-Esprit. Vous êtes fort et fort dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui nous suivent, recevez la force all de Dieu. Quand Jésus était dans le désert, when Jesus was in the desert, les anges sont venus fortifier Jésus. The angels came to strengthen him. Et je demande à l'ange de vous fortifier. And I ask the angel to strengthen you. On acclame le Seigneur. Let's clap for the Lord. Amen. On acclame Dieu très fort. Let's clap for the Lord. On l'acclame très très fort. On peut s'asseoir. Let us sit down. Je vais donner quelques exercices. I want to give you some exercises. Exercice très simple. Very simple. Et qui a un rapport avec l'agir de Dieu. Related to the action vous allez of God. Travailler Genèse chapitre 12. Genesis chapter 12 jusqu'à Genèse chapitre 17. To chapter 17. Vous allez travailler sur l'alliance de Dieu avec Abraham. You're going to work on the alliance of God with Abraham. Même ceux qui suivent avec Divine Amour TV. Even those who follow through Divine Love TV. Vous allez tous travailler dessus. You are going to work on this passage. Et ce que je souhaite. What I wish. C'est que lundi, ceux qui peuvent jeûner avant de venir ici, comme those vous voulez. Who can fast on next Monday, mais lundi et vendredi, jeûnez un peu. Fast a little. Sauf si vous êtes malade. Unless you're sick. Et donc, vous allez essayer de comprendre ce que Dieu et Abraham so ont vécu. To try to understand. Je vais vous dire que le lundi prochain, je vais vous dire. La Bible cite Cana avant même que Dieu ne touche Abraham. Et je vous dis, mais pourquoi Dieu parle encore de Cana alors que Cana paraissait comme une zone maudite? Vous allez voir comment Dieu est. Et pourquoi? Parce que Dieu a des choses que nous pouvons convoquer Dieu au tribunal de Dieu lui-même. Vous voyez, quand les gens disent, mais Seigneur, quand est-ce que t'avons-nous vu avoir faim? Pourquoi se fait-il que Dieu, c'est l'enfant de celle qui a commis l'adultère, que Dieu choisit la maman de Salomon? Il y a des choses bizarres. Convoquez Dieu devant Dieu lui-même. Oui, et vous allez comprendre pourquoi c'est un vieillard qui est fatigué. Sarah dit maintenant qu'il est fatigué. Il est fatigué. Comment il peut faire un enfant? Bon,
have a child. Il a montré à Sarah qu'il était fortifié par le Saint-Esprit. And he showed Sarah he was strengthened by the Holy Spirit. Quand Agar a été enceinte, when Agar was pregnant, le cou de Sarah était comme ça. The neck of Sarah was this way. Ouais. Amen. On va prier. Let's pray. Et dites à tous vos frères et sœurs, vous devenez de plus en plus nombreux, mais dites à vos frères et sœurs de suivre ce cheminement. Et ceux qui peuvent me faire un petit résumé de leur travail, il y aura un panier ici, vous déposez simplement, et dans la mesure du possible, je vais vous répondre. Vous savez, je vais vous répondre soit par... en vous convoquant un petit enseignement en ligne gratuit, voilà, et pour vous expliquer un peu, pour grandir. Donc je me mets vraiment à la disposition du peuple de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Voici-moi, maintenant et toujours. Merci. Et que la Vierge, les anges de Dieu nous accompagnent. Amen. Thank you very much. Amen. Les membres de 1001 restent sur place pour une petite information de 5 minutes. Merci. Était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De la parole